ne sait jamais là où l'expérience peut nous amener. C'est dans les moments les plus inattendus, les lieux les plus éloignés, les visages les plus familiers, les rencontres les plus chaleureuses, que l'on se rend compte que les sentiments n'ont pas de limites, ni de temps précis, ni d'espace particulier. Chaque instant devient une surprise, chaque endroit une découverte, chaque discussion une renaissance. Une renaissance qui nous ouvre vers d'autres cultures, d'autres réalités et d'autres langues. Nous allons nous enraciner, mais nous avons besoin aussi d'ouverture. Puisqu'on parle de collaboration aussi, vraiment, l'ouverture vers les autres horizons, je crois qu'aussi il est très intéressant que les élèves aient une connaissance d'autres langues. Pourquoi pas l'allemand? L'année dernière, j'ai commencé l'allemand. C'était bien en fait. Au début, ça avait l'air compliqué. Quand on venait, on voyait des accents un peu partout, ça avait l'air compliqué. Et les mots, ils étaient un peu durs à prononcer, mais à force de pratiquer, on s'est rendu compte que c'était pas si dur qu'on le pensait. Ça nous passionnait, d'autant plus que beaucoup de gens se sont inscrits au club allemand. En forme de citoyen, parce que le citoyen, c'est une forme qui a tout. Et sur les notes même, et sur la ponctualité, sur la présence, la fréquence. Allemand, c'est une langue belle. Depuis min ngandi dum emi dañe hen moy ngaji machallah is bin fin sen yar alte is bin zipse yar al is von insanar depuis seconde kam fi ya allemand et pourtant c'est une langue où on trouve des mots wolof des mots similaires am bagay ki xamna limay wax des mots wolof yana am bagay en allemand dof dakh noch loch tank. S'ouvrir à l'autre et au partage, s'ouvrir à l'humain et à son histoire, s'ouvrir car nous sommes tous liés par le pouvoir de nos sentiments. Des sentiments qui se cachent derrière un regard, un sourire, une histoire, un rêve, un chagrin. On va aller jusqu'à 2 mètres. Mais vous avez un regard, c'est trop triste parce que j'avais perdu des élèves. Sounoubérebi est un voyage de 87 jours qui nous invite à redécouvrir l'humain, les richesses culturelles, mais aussi 21 magnifiques localités du Sénégal, chacune avec une particularité. Du sud au nord, de l'est à l'ouest, des milliers de kilomètres parcourus par des Sénégalais et pour les Sénégalais qui partagent une même passion. La langue allemande est l'échange interculturel. Le principal qui était là, le premier principal du collège, avait pu nouer un partenariat avec les Allemands par l'intermédiaire d'un de ses frères qui était en Allemagne et qui fut même député là-bas. Je suis venu en Allemagne la première fois, de mon logement, c'est bien une famille d'accueil. La famille Leuding. J'ai eu à visiter aussi beaucoup de sites historiques là-bas. Berlin, c'est une ville qui mérite d'être découverte. Avec la coopération, on avait cette possibilité d'amener des élèves, 15 élèves au maximum, de partir en Allemagne, séjourner là-bas. L'année suivante, ce sont les Allemands qui devaient venir. De Kafountina à Kédougou, de Tamba aux îles du Saloum, de Dakar à Saint-Louis, allant vers d'autres villes, Sounoubérebi est un ensemble de lieux, d'histoires et d'émotions qui se résument en un film documentaire de plus d'une heure.